Petite réaction au Nintendo Direct qui a eu lieu hier pour moi. Pour moi, hier. Je n'ai pas regardé, j'ai bien fait l'attention de ne pas spoiler. Je vous jure. Et ben j'ai quand même été spoilé. Et ça fait chier. Il y aura deux vidéos. La première où ça sera ma réaction complète. Et la deuxième où ce sera ma réaction que les meilleurs moments de la réaction, c'est tout. Ou alors s'il n'y en a que deux, par exemple, elle y sera pas la vidéo. C'est tout, je tenais à le dire. 3, 2, 1, 0. Peggy 18. Peggy 18. Très bien. Mais du Peggy 18. Attention. Attention les enfants. Peggy 18, c'est. Wow. Ouh là là, une annonce dès le départ. Ouh. Un Smash Bros. Soleil de mer. Hallucinant. Ah, le Link. T'as pas suivi sa race. C'est quoi ça? C'est le Dada, c'est le DLC5, hein? C'est bon, on l'attend tous là, votre putain de perso de Dragon Quest là. Puis, je sais pas combien de temps là, c'est bon. Allez. Ah, je suis déçu pour le deuxième DLC si c'est Dragon Quest. Parce que je m'en fiche de Dragon Quest. C'est trop beau. Et voilà, ils sont tous morts. C'est Dragon Quest, et voilà. J'ai reconnu ses cheveux. Je connais pas Dragon Quest, mais j'ai reconnu ses cheveux. Ouais, c'est Dragon Quest, et la musique. Mais je m'en fous de toi, perso de. Mais je m'en fous! Tu sais pourquoi je m'en fous? Parce que j'ai jamais joué à Dragon Quest, donc du coup je m'en fous! Ils ont pris mon Steve! Oh, il est trop bien ça. Attends, lui aussi il a un bouclier. Oh, il a triché. Il a copié Link. Oh, c'est un trophée. Quoi? Oh, attention, ils sont méchants. Hop là, il est mort. Oh, ils sont choqués. Oh. Ah ben, elle est morte. Attention, allez, on va se faire la bagarre. Allez, un autre DLC, troisième DLC, Steve, troisième DLC. Oh, fait chier. C'est encore du Dragon Quest, ça, je crois. C'est des costumes. Je suppose. Ouais, c'est Dragon Quest. Non, ben, je sais plus ce que c'est, mais. Ouais, c'est des costumes, il me semble. Ben, c'est des deux gars de Dragon Quest, je crois. Des persos principaux. Ouais. Je m'en fous. Je m'en fous de tes costumes. Tous les persos principaux. De quoi ça? Snooze. Hop là, il est mort. Bones. Bones. En plus, il copie les attaques de Fox. Ça va, bravo. Bon, ben, ça, c'est pas utile par contre. Oh, il s'est envolé. Il est allé tout en haut. Voilà, il se fait attaquer. Final Smash. Tout faire péter. Ah bah voilà, il a tout fait péter. Le titre il a paru, il a tout fait péter. Et c'est Dragon Quest, ouais, j'avais compris, merci. Ouais, je suis déçu. Je suis déçu. On était. Comment ça on était? Pourquoi pas maintenant, hein? Maintenant ça aurait été mieux. Nintendo Switch. Ouais, Dragon Quest, hein, merci. RPG, je m'en fous, ton épique RPG de mec. En plus, ah oui, donc pour l'instant je parle, j'étais spoilé par un gros truc en plus, et ça c'est pas ouf. Attends, mais pourquoi c'est en anglais, moi? J'ai bien pris Nintendo FR, oui. Ah, je crois que j'ai pas pris Nintendo FR. Tant pis, c'est dommage. Mince, je crois que j'avais pris
Non, c'est pas Nintendo FR, merde. Hello everyone, je suis Yoshi de Nintendo. Dans ce Nintendo Direct 3, vous allez voir plein de jeux qui vont bientôt arriver. Je traduis. Il est fort. Voici le premier jeu. J'espère que vous allez aimer l'introduction. Ah, Mario Maker. Wow. Oui, qu'est-ce que tu fous, putain de merde? Il a dit ça. Tu sais pas parler. Attends une minute. Tu n'es pas le vrai Bowser. Désolé, mais je suis le véritable Bowser présentation. C'est moi qui l'ai traduit. Mais arrête. Hein. Non, par là-bas. Casse-toi. Casse-toi. Traduction en perfection. Je sais pas, j'ai pas compris. Je me suis gouré. J'ai pas pris Nintendo FR. Je me suis gouré, bravo. Hi everyone, I'm Doug Bowser from Nintendo of America. C'est Doug Bowser. And I'm thrilled to join you for today's Nintendo Direct. This is our chance to show the world we have games for every type of player on Nintendo Switch. Ça me fait chier en vrai, j'ai pas pris Nintendo FR comme un con. Bon, c'est pas tant pis. C'est pas grave. Luigi Mansion 3. J'ai tout ce que j'ai compris. Tu vois, c'est pas le truc non plus que je. Oh, si, en fait, ça a l'air trop bien. Putain, il s'est encore fait capturer Mario. C'est un boulet. C'est un boulet, Mario. With Mario, Peach and the others. Il y a tout le monde. Oh, lucky him. Il y a même le toutou. Il est mort. Luigi's Mansion 3. This hotel is much more than meets the eye. For not long after Luigi arrives, things take a dark turn. We begin our tour by taking in some sights and sounds. You may never leave. You want to leave. The other guests certainly don't plan to move on. They're ghosts after all, and they're rather aggressive. Simply scare them with the strobe bulb, then suck them up. Luigi's new Poltergust G00 has the powerful suction capabilities required, and other new features as well. Donc il portait. Il a changé de nom. Slam it on the ground to inflict some nouvelle fois. Oh putain! Ouais, je dis, en fait, il est super fort. Oh, il les écrase. Oh, il est trop fort. Oh, il arrive à tout faire péter. Elle a tout fait péter. Il tire et il fait tout péter. C'est trop bien. Attention, il y a des fantômes, ils sont mis. Il y avait un français, je reconnais, et avec sa fidèle baguette. Il a tout fait péter encore. Catastrophe. Hey, bienvenue dans mon labo. Encore. Luigi, quoi? Aussi, un mode multijoueur? Oh! Luigi can do everything from slipping through metal fences to walking on spikes. Indeed, there are obstacles to Luigi to handle on his own. And if you pass a Joy-Con controller to a friend, he makes for a great co-op partner. But proceed with caution. Luigi and water definitely don't mix. Now, please direct your attention to the Scare Scraper. Spooky? Sure. Yet it also houses up to 8 players for local or online co-op gameplay. Defeat all ghosts before time runs out. Seek and find our C'est le bordel. Oh, y'a mon Luigi. C'est pas vrai. C'est le bordel. Bravo, ouais. Il est où, Waluigi? Et c'est là que tu vois le boss final, un Waluigi Phantom. Waluigi
What will befall our missing Mario and friends? And his dear brother Luigi? Their fate rests in your hands. Ouais, attention. Attention. Luigi's Mansion 3. Disponible en 2019. Merci. Non, on le verra au Treehouse. Luigi's Mansion 3, the latest game in a series that I personally love. And we can look forward to the gameplay elements. Ça, c'est très important. Merci, Captain Obvious. As we dive deeper into this title, en plus, il est chaud. J'adore les chauves. Mais pas pourquoi j'adore les chauves. Comme mon prof de physique, il est chaud. From the show floor, including live gameplay of Super Mario Maker 2. And on day 3, our Treehouse staff will get their hands on some promising indie games that are new to Nintendo Switch. While you watch today's Nintendo Direct, keep an eye out for this icon to learn what other games will appear on Nintendo Treehouse live at E3 2019. You won't want to miss it. Or this. Have a look. J'ai vraiment fait une boulette en ne prenant pas le FR. C'est quoi ça? Ogre slept too long. Far too long. Qu'est-ce que c'est? Sing me your story. What has become of... Oh. Une marionnette moche. De quoi ça? Darkness spreads. But from this dark light, brighter than the three suns, they spark to life. Heroes of Thra, strong and brave. Strength and bravery alone will not save Thra. Il est mort avant d'être touché. Il a pas été touché, il était déjà mort. The Dark Crystal, très bien. Le cristal noir, merci. Oh, encore une annonce, c'est quoi? Oh, Link Awakening. C'est Link Awakening. Il y a Mario, voilà. Encore. Yes. Il a pour une pomme. Il peut manger les pommes. Je le tue à la gueule.